Le talon d'Achille de l'Afrique demeure encore les difficultés qu'elle a à amorcer un véritable développement et les parlementaires africains en sont conscients. Si on ne peut pas faire des efforts pour envoyer nos enfants étudier, si on ne peut pas faire des efforts pour réduire le taux de pauvreté, vous comprenez bien que rien qu'à citer que ça, il n'est pas évident que demain matin, que l'Afrique puisse se relever. Trouver des pistes de solutions pour améliorer les conditions de vie des populations, c'est l'exercice auquel les députés africains vont se livrer au cours des deuxièmes assises du Forum des parlementaires africains sur la population et le développement. Il est donc du devoir des parlementaires d'apporter leur contribution à la promotion et à la mise en œuvre des nouvelles stratégies qui assureront la croissance des économies, ainsi que le bien-être et le mieux-être de nos populations. Nous allons aussi parler de la scolarisation de la petite fille. Nous allons parler de santé, nous allons parler de développement. Le ministre Albert Mabrutoakus a invité les gouvernants africains à accroître les ressources au traitement des questions de population et de développement afin de lutter efficacement contre la pauvreté en Afrique.